féministe sous François Hollande. Je me dirais que pour m'amuser, y a faire tour au Disneyland, ou bien aller au musée, ou même passer une commande, m'acheter un truc abusé, un gadget sur lequel je bande. Ouais, je pourrais me payer une fusée et m'installer aux commandes, un élevage de médusées, leur faire chaque jour une offrande. Je me dirais que pour m'amuser, toutes ces idées se défendent, mais j'ai trouvé plus rusé et plus près, c'est Notre-Dame-des-Landes. Je pourrais faire raser 2000 hectares de terre boisée juste pour fun, et parce que les arbres, ça a tendance à m'agacer. J'ai pensé qu'il y en a assez, qu'on pourrait bien en arracher quelques-uns et les remplacer par quelque chose de bien plus classé. Je me suis dit qu'un aéroport ferait l'affaire avec ces Airbus, parce qu'alors il y en aurait deux au lieu d'un, il y en aurait encore plus. Oui, car en fait, soi-disant, il y en avait déjà un là-bas qui fonctionnait, et j'en ai rien à pas, car c'est par moi que les ordres sont donnés. Puis ne le dites pas, mais c'est aussi et surtout l'occasion de gagner un paquet de pognon pour Vinci, et on est amis, je peux pas le nier. Un petit milliard passerait ainsi des poches des citoyens français à celle de Xavier Huillard, si j'arrive à faire taire les Nantais. Et autres écolos aigris et militants déjantés, voulant m'empêcher de faire joujou avec l'argent des gens, c'est quand même un peu irritant. Et puis pas très juste navré, mais à quoi bon être élu président si on peut plus se marrer. Voilà le genre de truc que je me dirais si j'étais dans le boys band présidentiel entre Valls et Héro, mais aussi bien d'autres scandales. Pas tous les noms de ceux qui veulent prendre la poire, y'en a une bonne bande. Je serais le premier à le vouloir si j'étais ministre sous François Hollande. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompressent en nous berlant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui s'effluent et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Peu d'égard pour nos ministres qui souvent ont une vie triste, les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre, c'est pas trop la pétante, donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. Si j'étais dans le gouvernement héros, je me dirais que pour me détendre, je peux écouter le boléro, aller me balader dans les Flandres et y prendre l'apéro. Loin de la bande à Hollande, à distance de ces gros blaireaux, je pourrais aussi jouer les tendres, emmener Bobonne au resto pour changer des berlines allemandes, la faire voyager en métro, bouffer de mon filet de limande au Fouquet, je veux dire au McDo, avec l'argent que je truande, je veux dire avec celui du boulot. Oui, mais j'ai trouvé bien plus drôle, j'ai trouvé plus rigolo quelques militants stupides, gauchistes, anarchistes et écolos, se battant pour un monde plus dynamique, la terre, de l'air et de l'eau, ardent que l'aéroport du Grand Ouest serait peut-être de trop. Sous le prétexte qu'on bétonne 2000 hectares de terre, qu'on déloge les autochtones à coups de flics et de militaires, envers et contre des tonnes de gens qui se révoltèrent et qui au passage s'étonnent qu'on dépense tant en période pourtant austère. Je leur ai envoyé 1200 policiers et militaires, 500 CRS et gendarmes, aussi un hélicoptère pour larguer des grenades assourdies en pensant que ça les ferait taire, ça et quelques lacrymos pour réprimer les plus réfractaires. On s'est bien amusé, de la force on a usé, bien sûr sans en abuser, pour ne pas se faire accuser, on s'est donc mis à ruser. Comment ça se passe, tu le sais, tu gazes le suspect, et tu dis que c'est lui qui a commencé. Voici le genre d'idée qui germerait d'ordinaire dans mon cerveau. Si j'avais un quelconque ministère avec un chauffeur perso, j'aurais beaucoup de pouvoir, donc me prendre pour un super héros. Je serais sûrement le premier à le faire si j'étais dans le gouvernement héros. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompressent en nous berlant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Peu d'égard pour nos ministres qui souvent ont une vie triste, les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre, c'est pas trop la pétante, donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. 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 Notre-Dame-des-Landes.